Depuis lors, la famille spatiale s'est agrandie et compte aujourd'hui 11 membres. J'y ajoute la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, l'Estonie et le Luxembourg, qui ont entre-temps rejoint la conférence. Le Sénat, en fait, a déjà eu le privilège de présider cette conférence à deux reprises, à savoir en 2001 et en 2006. Cette fois-ci, la présidente du groupe de travail espace, la sénatrice Dominique Trimont, qui préside la conférence d'aujourd'hui, et les autres membres de la présence, j'en vois différents dans la scène, de ce groupe de travail, n'ont ménagé aucun effort pour organiser cette conférence. Cette année, et je me réjouis de thèmes comme la jeunesse, les carrières des jeunes scientifiques et le lien entre développement durable et l'espace sont abordés pendant ces deux jours. Je me félicite aussi que de nombreux jeunes passionnés par l'espace soient ici présents pour cette conférence. J'ose espérer que vous pourrez enrichir le débat et dégager de nouvelles pistes de réflexion, faire avancer le sujet qui vous intéresse, à savoir la recherche, les perspectives de carrière et les débouchés pour les jeunes professionnels.